Bonjour à tous et bienvenue pour ce 9e épisode de la série Planet Coaster. Le dernier épisode était il y a un bon moment, il y a presque 2 semaines. Mais j'ai eu pas mal de difficultés à tourner celui-ci. Je suis tombé malade, donc c'était une grosse galère de tourner l'épisode. J'ai encore un tout petit peu la voix enrouée, mais ça devrait le faire, ça c'est pas trop dérangeant je pense pour la vidéo. Et à part ça, j'ai quand même pu avancer un petit peu en off, comme j'ai pu. On peut le voir déjà aussi avec le coaster, avec la file d'attente et la sortie que j'ai fait en off. Et puis j'ai également aussi... qu'est-ce que... Oui là, voilà. J'ai aménagé ce petit trou, le petit coin qui était ici pour l'entrée de la zone asiatique. Et j'ai également aussi rajouté des boutiques, enfin plutôt des restaurants dans cette zone pour essayer d'accompagner ceux qui étaient à l'entrée parce en fait, il n'y avait que cela et c'était clairement bondé. Et bon, maintenant les gens se sont clairement rués vers ceux là-bas. Il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop. Mais évidemment, ça se désengorgera une fois que le parc s'agrandira et qu'il y aura beaucoup plus de boutiques et restaurants, mais je pense qu'il faudrait que je fasse carrément des vrais restos beaucoup plus grands pour que vraiment ça se désengorge et qu'il y ait moins de monde au même endroit. Parce que par exemple, on voit sur cet axe, parce que même les allées, j'ai fait les allées les plus grandes possibles, c'est la taille max, mais là ça devient limite. Enfin bref. Bon, pareil, hein, les files d'attente en sont remplies, hein, même sur le Kizzy c'est rempli, ça marche plutôt bien. Et puis voilà, j'ai également commencé l'hôtel. J'avais fait rien d'autre. Si, ah si, j'ai rajouté ce petit. Alors j'ai rajouté cette petite statue ici. Pour éviter que ça fasse vide et pour attendre de voir si je peux trouver autre chose de plus sympathique. Voilà. Comme ça remplit un peu. Alors, je vais commencer la guerre dans cet épisode. Et puis on sera pas mal.
Thank you.
Bon, et bah voilà. J'ai bien commencé la gare. Qui est énorme d'ailleurs. C'est vraiment. C'est pas facile. Elle est pas facile à faire. Hein. Elle a pas mal de problèmes et de contraintes. Déjà parce qu'elle est énorme. Et puis il y a pas mal de contraintes au niveau aussi des rails. Avec le passage du train sur les rails. Pour que le train ait la place de passer. Et puis même avec aussi la file d'attente qui passe sous la gare. C'est pas facile du tout. Donc j'ai essayé un petit peu de me démerder. Bon, il reste encore pas mal, ouais, même beaucoup de travaux, hein. Elle est absolument pas finie, mais j'ai du mal à me faire une idée là-dessus. Je sais vraiment pas quoi en penser. Je suis assez mitigé. Après, elle est vraiment encore en construction, donc rien n'est fait, mais elle est vraiment complexe à construire en fait. C'est ça qui est chiant. Et voilà, mais je vais y arriver et puis je vais faire un truc sympa. Mais je vais m'arrêter là pour cet épisode. Il me semble que je l'avais pas dit lors de l'intro, mais dans un commentaire de l'épisode dernier, on m'avait conseillé de mettre un fond clair pour le lac. De mettre un fond clair, donc de mettre des blocs bleu clair sous l'eau, histoire de faire ressortir cette couleur avec l'eau. Et l'idée est vraiment sympa. C'est vrai que c'est un truc que j'ai pas du tout pensé. Parce que le problème de l'eau, c'est qu'elle était, elle était vachement foncée. Elle était comme ça. Et ouais, ça faisait vachement foncé. Alors que là, avec cette couleur bleue, c'est déjà. Alors, de loin, c'est pas hyper beau. Ça fait vraiment très très bleu. Mais quand on est. Hop, vue visiteur, c'est déjà mieux. Et puis quand on n'est pas trop trop loin, ça va. Donc, on se rapproche un peu plus de ce que je voulais. Donc là, on a l'entrée de l'attraction. Qui passe sous la gare directement. Et voilà. J'ai trouvé plein d'objets workshop sympa qui sont vraiment cool. Et pour tous, c'est la même personne, donc c'est vraiment cool. Alors, si vous voulez les trouver sur le workshop, il y a tout le temps le même mot dans les noms de des items. C'est le TMT, c'est TMT. Si vous mettez TMT sur le workshop, je pense que vous trouvez tous les items de cette personne. Alors TMT, je pense pas que ce soit son pseudo, mais voilà. Donc il y a vraiment plein de trucs. Il y a des animaux, il y a des trucs, y a des choses aussi pour les allées, pour des coasters, pour des styles futuristes, pour égyptiens aussi j'avais vu. Il y a des trucs de ruines, et des piliers. Non, c'est vraiment cool. Il y a énormément de choses. Et voilà, et donc je pense que si vous tapez TMT dans le workshop, vous devriez trouver un peu tout ça. Voilà, parce que ça m'a permis de faire pas mal de choses sympathiques. Enfin bref, moi je vous dis du coup rendez-vous pour le prochain épisode, hein. Je vais essayer d'avancer en off cette gare, qu'elle soit presque terminée pour l'épisode prochain, ainsi que l'hôtel et tout ça, et puis voilà. Moi je vous dis à la prochaine, salut!